In België werden reeds 17.000 vrouwen het slachtoffer van vrouwelijke genitale verminking. En meer dan 8.000 meisjes lopen het risico om genitaal verminkt te worden. Ces filles et ces femmes ont besoin d'une réelle protection et une prise en charge pluridisciplinaire de qualité, peu importe leur milieu de vie, peu importe leur statut, peu importe leur langue ou leur origine. De maatregelen ter preventie en aanpak van vrouwelijke genitale verminking zijn nog steeds ontoereikend. Het wordt hoog tijd dat hier meer structurele middelen voor vrijgemaakt worden en dit vooral in Vlaanderen. Nous demandons une politique nationale de protection des filles à risque d'excision et une prise en charge de qualité et pluridisciplinaire des femmes concernées. Le mariage forcé, c'est un motif courant de demande d'asile, mais difficile à prouver. Il doit être reconnu comme une violence de genre. In België lopen jonge meisjes het risico om slachtoffer te worden van VGV en andere types van seksueel geweld. Nous demandons l'intégration des violences basées sur le genre dans la formation de base des professionnels de première ligne. La situation des femmes en séjour précaire, dites sans papier, les rend vulnérables. Elles risquent d'autres violences, notamment les violences de genre. Nous demandons une application souple, humaine et solidaire du règlement Dublin avec une prise en compte des violences du genre.